Virgin rocks. But she's from Nicaragua, thought she was Persian love. Are we turning up or are we wasting time? Girl, don't waste my time. Hello, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, et dans cette petite vidéo vous allez me suivre avec moi dans ma semaine en tant qu'alternante en communication et en école de mode. Donc du coup je vais vous montrer un gros mais en fait comme j'avais fait dans mon autre vidéo une semaine avec moi en école de mode, sauf que là bah, ça va être en école de mode et en même temps en entreprise parce que je suis alternance. Et donc voilà, donc aujourd'hui on est lundi 25 septembre et le lundi c'est école. Donc là je me prépare pour aller à l'école. Je fais 9h-16h. Donc ça va, franchement. Et j'ai cours de pop-up store parce qu'on parle à la fin de l'année, on a un projet. Désolée je parle doucement parce qu'en fait il est genre 7h10 et je suis la seule levée. Et donc à la fin de l'année on a un projet et on doit faire un pop-up. Donc on doit organiser un pop-up et tout dans un local et tout, genre vraiment un vrai pop-up. Du coup là ce matin j'ai 4 heures de ça. Après j'ai cours de la mode et le cinéma. Et voilà, j'aimerais bien, après vu que je finis à 16h, je rentre chez moi vers 17h. J'aimerais bien aller à la salle. Après, je vais finir de me maquiller et puis on va y aller. Coucou les toilettes. Cinéma et mode. Il est chaud ou pas? Je suis rentrée chez moi, j'en peux plus des journées, vraiment c'était court, genre j'ai fait que 9h-16h, mais quand je me suis levée beaucoup plus tôt que je me lève d'habitude, genre je me suis levée à 6h15, j'ai l'impression que c'était hyper long, parce qu'en vrai j'étais levée depuis 10h, et bref les transports et tout c'est trop pénible, mais bon là du coup j'ai eu fatiguée pour aller à la salle, et puis même en vrai je peux pas trop y aller là, enfin si en vrai je peux y aller mais je vais faire du sport à la maison parce qu'en plus je voulais juste faire le haut du corps, donc je peux faire à la maison parce que ma mère a les poids et puis voilà quoi, on se retrouve tout à l'heure ou demain. Je suis morte. Vraiment, je déteste faire le haut du corps. Mais je sais qu'il faut le faire. Voilà. C'est tellement rien. Attendez. Un peu. Bon, après, c'est pas pour ça. Moi, c'est juste pour qu'il soit un peu plus gros. Et bref. J'en peux plus. Il fait chaud. Genre, j'ai le temps de déjeuner. C'est vraiment un exploit, je vous promets. Regardez pas mon œil, je me suis piquée, du coup regardez. Ça a enflé et tout. Horrible. Bref, je déjeune et après je prends le bus pour aller à l'entreprise. Je viens de finir ma journée, il est 18h là. Je suis partie prendre des
pastries. J'ai trop faim en fait. Et bref, voilà. J'ai pris un croissant avec une brioche au sucre. Coucou. Alors aujourd'hui on est le mercredi. On est mercredi 27 septembre. Et je suis en retard. Le bus arrive dans 13 minutes. Non, en vrai ça va, mais je pense qu'il va pas arriver dans 13 minutes. C'est encore une blague. C'est un prank en fait. Mon bus il me fait des pranks tous les matins. Non, il est censé passer à 46. Il passe genre à 50, 52 alors que sur le truc il est marqué il passe dans 20 minutes et tout. Bref, comme d'hab, le 312. Alors aujourd'hui, outfit très casual. Petit sweat noir. Et petit pantalon à pinces. Gris. Et voilà. It's lunch time. J'ai ma petite box comme d'hab. Et j'allais manger avec mes collègues en bas. En fait, je savais pas, mais parce qu'en fait, tous les lundis ils ont un rendez-vous. Et moi, le lundi, c'est à l'école. J'aurais fait un point sur la semaine, tout ce qui va se passer, tout ça. Et j'ai préparé ça. Voilà. Pas fou, mais. Voilà, et en fait, vu que cette semaine c'est la fashion week et tout, il y a des showrooms, donc il y a des commerciaux qui viennent au showroom et tout pour pouvoir voir la collection SS24. Si je ne mets pas à tourner, ça va chauffer. Et du coup, vu que le showroom il est en bas et que c'est un open space, et bien genre toutes les odeurs et tout de bouffe, ils disent qu'il ne faut pas ramener à manger genre des odeurs fortes pour pas que ça sente. Et voilà, c'est tout ça, j'ai oublié de dire et tout. Faut pas ramener des trucs qui sentent et tout, à faire chauffer tout ça. Ou alors faut grave aller. Et moi j'ai un truc qui fait chauffer. Voilà, elle m'a dit c'est pas grave parce que j'étais trop tard. Damn, Zeus, you too cold, bruh. What you doing? Et c'est le petit look du jour, veste en cuir marron, petit top blanc. Ma vie, un peu de caresse. Oui, j'arrive, mon cœur. Petit top blanc, bijoux et pantalon. Et ce midi, je vais me marier avec une de mes copines sur Paris qui est à côté de mon stage. Petit sac Stradivarius. Et voilà. Là, je suis en retard et de RER. Catastrophe. Bon, ça va, j'ai 15 minutes de retard et hier je suis partie une demi-heure plus tard, donc ça peut le faire. Je suis rentrée. Je suis pas trop filmée cet après-midi parce que on était genre il y avait les showrooms et tout au bureau, du coup c'était compliqué. Il fallait pas qu'on fasse trop de bruit et tout parce que bah, du coup il y avait les commerciaux qui passaient pour les rendez-vous. J'ai reçu un colis et je sais ce que c'est. J'ai trop hâte. Je vais l'ouvrir, mais je sais pas si je peux vous montrer. En vrai je pense pas. Mais en fait je sais pas. Non je vais pas prendre le risque. Parce qu'on sait jamais. J'ai peur qu'il y ait une autre ma best. En vrai je pense pas parce qu'il regarde pas mes vidéos YouTube, mais on sait jamais.
Je sais absolument pas comment l'ouvrir. Ça m'a l'air vraiment bien emballé. C'est super rapide, je suis choquée. La meuf m'a envoyé un mail pour dire oui. M'a envoyé un mail hier pour me dire oui, tu vas recevoir et tout. Et là, je vois, j'ai reçu. Oh my god. Bon, vous allez reconnaître la marque là, mais bref. Oh, j'aime trop. J'ai toujours rêvé de recevoir des petits coulis comme ça. Et là, j'en reçois en fait. En plus, il est lourd, genre. C'est vrai, il y a plein de produits dedans, genre. Je suis trop contente, les amis. Je suis trop contente en fait là. Désolée, j'ai trop hâte de faire la petite vidéo. En plus, ça va, je pense que c'est simple. Juste que je trouvais un bon cadrage, un bon truc. Et c'est nickel quoi. Trop bien. Hihihi, mon beau. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Hello. Voilà. Voilà, coucou. Ouais, Marina. Marina, coucou. C'est la fête en fait. Sûr, ça a l'air grave. T'aimes bien Jade? Incroyable. T'aimes... Ah, j'allais dire t'aimes bien aussi Anne. Ouais, franchement j'aime trop. T'as même pas goûté ma vie. Du coup voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas pu tout filmer genre comme j'aurais voulu. Parce que bah dans l'entreprise je peux pas trop filmer non plus. On est dans un open space, il y a d'autres personnes. Ils sont pas au courant que je filme des vidéos YouTube. J'ai pas envie de les montrer leur tête et tout sans leur consentement et tout ça. Et même je sais même pas si j'ai genre le droit ou quoi de les filmer en train de travailler. Même si c'est pour des rushs et tout pour mettre en rapide. Donc du coup voilà. Mais franchement ça se passe trop bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous passez des bons moments à l'école et tout, et que vous aimez ce que vous faites. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous faites, ça m'intéresse trop. Et du coup voilà, j'ai pas eu le temps de vraiment filmer la fin de la vidéo parce qu'il y a eu l'anniversaire de ma copine, c'est elle qui a filmé la vidéo avec la caméra et tout. Et j'ai pas vraiment fait de fin de vlog, mais du coup voilà, je vais en faire plein d'autres vidéos comme ça aussi. Parce que bah ça va pas être forcément la même routine à chaque fois. Donc du coup voilà, dites-moi si vous avez aimé la petite vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à plus.